Salut à tous les autres, c'est Ezekiel, bienvenue pour ce dernier combat de Monarch d'Izui face à Seracrol. On va envoyer du steak haché sans se faire hacher menu, bien entendu. Ok, bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas trop les projectiles comme ça. Attention, donc il a plusieurs phases d'attaque. Là, il a une phase où il lance directement des petites boules. Par la suite, voilà, il fait proc des petits stalactites. Ensuite, il fait go 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 gadget au missile. Donc vous voyez, vous avez un rythme de je lance. Ok, il se rapproche. Là, il faut vraiment essayer d'arriver. Hop, on traverse son laser. Ok, on peut lancer une Pokéball pour se battre. C'est parti. Je crois que c'est déjà trop tard. On est reparti. On en profite le temps que monsieur gueule un bon coup pour spammer. Logiquement, on va avoir un petit creux. On esquive. On esquive. On balance ça et c'est varise, varise, varise. Bon, le pattern n'est pas compliqué, compliqué dans le sens où il est quand même assez lent dans ses attaques. Et heureusement d'ailleurs, j'aimerais vous le dire. Alors, attention au stalactite qui explose. C'est pas le moment de se rater. Ok. Allez. On va lancer notre dernier. Mais écoutez. Yeeha! Ok. Et bon, on peut dire que Seracrol Dissoui est enfin apaisé. Cinquième monarque. Apaisé. Je trouve quand même pas mal. Ok, 6000 d'XP, on est plutôt sympathique et généreux ici. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air sur le pattern d'Isui, de Seracrol d'Isui plutôt. Et on se retrouve très bientôt sur la Ezekiel Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les dudes, et à bientôt.